Julien Bay remporte les 50, il rapproche de Mélanie de Digama et tacle Carla. Vendredi 11 novembre dernier, les téléspectateurs ont découvert le nom du grand gagnant des 50 lors de la finale en direct. Le candidat affrontait, ce soir-là, Camila, dont la stratégie a été très critiquée durant tout le programme. Alors, lorsque le nom de Julien Bert, très apprécié du grand public, est sorti de la bouche de Catalia, l'audience et ses camarades n'ont pas été surpris. Afin de fêter ça, la dizaine de candidats des 50 présents sont allés dîner dans un restaurant à Paris et ont fini la soirée en dansant. Dans l'euphorie, le gagnant a tenté d'embrasser son crush de l'émission et a taclé Carla Moreau, son ex-petite amie. Comme vous avez pu le constater, Julien Bert et Mélanie de Digama, qui a fait son grand retour en télé, se sont beaucoup tournés autour durant la compétition. Mais en tant que célibataire et séducteur, le futur vainqueur a également dragué Océane Elimé, puis a embrassé Cynthia. Une attitude de charo qui a pu refroidir la maman de Neya. Mais Julien n'est pas du genre à abandonner. Lors de la soirée de la finale, il a tenté d'embrasser Mélanie de Digama. Alors que les candidats des 50 s'étaient réunis sur la piste de danse pour relâcher la pression et fêter la victoire du jeune homme, Julien profite d'un moment de faiblesse de Mel pour tenter de lui voler un bisou. Mais la jolie brune l'a repoussé, le sourire aux lèvres, alors qu'il se chuchotait des choses à l'oreille. Ils ont été surpris sur une vidéo Snapchat d'un de leurs camarades, Frémi Fram. En voyant la scène, les internautes, qui souhaitaient voir cette idylle se former pendant le tournage, n'ont pas manqué d'encourager le gagnant, coquin Juju. Il ne lâche pas l'affaire. Excellent Juju. L'alcool monte, il tente. Mais ce n'est pas tout ce qu'il s'est passé. Toujours dans l'euphorie de la soirée, Julien Bert a lancé un tacle à l'une de ses exemples. Durant le repas, la chanson de Céline Dion « Pour que tu m'aimes encore » se met à résonner. Et lorsque la chanteuse prononce les paroles suivantes, les formules magiques des marabouts d'Afrique évidemment. Les candidats de télé-réalité ne peuvent empêcher de penser à l'affaire de la sorcellerie qui avait entaché l'image de Carla Moreau. On entend Julien Bert crier « Carla, Carla ». Si Julien semble apprécier sa victoire, Camila et Noré, eux, sont soulagés que cette expérience soit enfin terminée. En effet, le couple violemment critiqué considère que les répercussions ont été horribles pour eux. Camila conclut « Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je vous aime. On tourne la page et on en écrit plein d'autres nouvelles. » Maintenant, place au cross à partir de ce soir à 19h50 sur W9.